يمر الوقت سريعا منذ إعلان الحكومة عن التوجه لدعم مؤسسات الإنتاج المحلية ومرافقتها حتى تصبح مؤسسات مصدرة خالقة للثروة، لكن بعض رؤساء المؤسسات يعتقدون أن آليات تطبيق توجهات الحكومة الجديدة ما زالت حافلة بنقاط الضعف، خاصة على مستوى مناخ التصدير. L'acte d'exporter n'est pas encore facilité. On sait pourquoi. Des choses sont en train d'être faites. Je ne suis pas vraiment négatif sur ce point-là. On arrive plus ou moins à exporter, mais nous ne sommes pas compétitifs. Par Uba, l'Algérie entière, du point de vue de l'exportation, souffre d'une non-compétitivité dans l'exportation parce que ce qu'on appelle les coûts de transaction, ça veut dire je veux réaliser une exportation, il y a des papiers, il y a du transport, etc. دور البنك المركزي في مرافقة الشركات التي ترغب في تصدير منتوجاتها هزيل الأداء حسب رئيس مجلس إدارة شركة رويبا. Si dans un pays X en Afrique ou au Maghreb, enfin je dis Afrique subsaharienne, au Maghreb ou en Europe, j'ai une opportunité d'acquérir un investissement qui me permet d'étendre ma force de frappe et ma marque et prendre un autre territoire, il faut que je puisse le faire. La Banque d'Algérie ne peut pas être un frein. Si elle ne peut pas le faire, il faut qu'elle m'autorise à aller emprunter sur le marché international pour pouvoir élargir mes investissements. Quand je dis m'autoriser, ça ne veut pas dire qu'elle va me garantir. Et c'est là où ce qu'on appelle les dogmatismes s'installent. Moi, je dis, ah, je dis, la Banque d'Algérie, je vais te dire. Non, je vais te dire. Tu es à la belle. مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة التي أخلطت أوراق صناع القرار الاقتصادي في الجزائر نتيجة انهيار سريع لأسعار النفط، ستكون الفترة الزمنية التي تمضي سريعا دون استغلال جدي لها فترة ثمينة لتحديد بقاء الشركات الوطنية الخاصة أو العمومية شركات تنافسية حسب الخبراء والمستثمرين.